pourquoi je n'irai peut-être jamais en Algérie. Deuxième tentative deux jours plus tard. Je pense qu'aujourd'hui c'est la bonne. Wachrak, merba faud story tari. Je commence à découvrir les spécialités avant le départ. C'est tellement bon la karantika. Madabia en shrub hamoud. La limonade algérienne. Salut. Salut. Salam. Ah, salam. Shukran. Shukran. Merba bikoum fal video tari. Le ticket numéro 92 est attendu au guichet. Mahendish le visa, je suis dégoûtée, heureusement que j'ai les lunettes de soleil. Parce que retiens pour pas pleurer, là je sors du consulat. Du coup, bah j'ai pas le visa, j'ai récupéré mon passeport. Changement de programme, je vais quand même partir en Algérie mais sans quitter la France. L'objectif de ce voyage c'était de tourner un maximum d'épisodes et j'irai cuisiner chez vous. L'objectif c'était de découvrir les spécialités culinaires algériennes qui sont très nombreuses, très variées, trop peu connues. Et de cuisiner avec des locaux, partager ça en vidéo YouTube. Du coup ce que je vais faire, c'est tout le même concept, mais en France. Donc s'il y a des gens qui sont d'origine algérienne, qui aimeraient me faire découvrir une recette, une spécialité algérienne, dans le cadre d'un tournage de cette vidéo, j'irai cuisiner chez vous. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par Instagram, et puis me proposer une recette, et on en discutera ensemble.